Premièrement, vous pouvez aller à, évidemment sur page d'accueil Facebook. Hein. Côté, vous pouvez aller entre email ou bien numéro de téléphone que qu'on utilise pour accéder à compte Facebook ou quoi. Ensuite, vous tapez votre passe et vous cliquez sur connexion. J'ai encore qu'on a habitué faire pour accéder à compte Facebook ou quoi. On a cliqué sur connexion. Combien les pages compte affichées, vous pouvez aller sous icône liste d'adoption, icône que qu'on utilise habituellement pour déconnecter compte. Icône ça selon affichage sur mobile ou bien affichage web, la pour présenter différemment. Pour un affichage mobile, la pour présenter pour un carré de 3 barres. Mais pour un affichage web, tant qu'on a utilisé là, c'est tiflet ça. On a cliqué sur lui et nous allons choisir une option que lui offre dans la liste d'options. Nous allons aller dans paramètres. Pour affichage mobile, on va écrire paramètres du compte. Et là, il écrit paramètres et on a cliqué sur paramètres. Pour nous, on va pouvoir écrire paramètres du compte dans les têtes pages d'affichage qui viennent là. Et bien, nous allons aller à gauche, on a cliqué sur sécurité. Pour nous, dans la nouvelle page qui est affichée à paramètres de sécurité, nous allons choisir une option que vous proposez nous là. Et l'option que nous allons choisir, c'est ça qui est trouvé en dernière position et qui marque où vous êtes connecté. C'est l'option ça qui permet de nous vérifier le compte que nous gagnons qui est actif. Et nous allons cliquer sur modifier. Ok. Kounia, vous êtes capable de remarquer, il est écrit en les options ça où vous êtes connecté à session actuelle, qui c'est session que nous évidemment vous fait couvrir et que l'a utilisé là. Et puis vous pouvez remarquer une deuxième session qui en bas qui écrit bureau et qui marque l'heure exacte que session ça a été ouvri. Égal. Kounia là, c'est session ça qui t'est ouvert sur l'autre appareil là, ou seulement cliquer sur arrêter l'activité. On cliquer sur arrêter l'activité. Kounia, puis ben, simplement page où t'es quitté ouvert sur l'autre ordinateur ou automatiquement fermer session ça. Kounia, nous allons passer dans deuxième paramètre que nous devons faire aujourd'hui. Qui c'est notification comment capable vérifier les on l'autre monde a utilisé si on l'autre monde qui monté sur compte Facebook ou qu'a utilisé en même temps que vous-même ou fait même démarche que auparavant ouais. OK et seulement fois ça comme nous là on toujours fait même démarche mais fois ça on a choisi option qui trouver en première position qui c'est notification lors des connexions. On a cliqué sur modifier. L'option ça qui permet tout à chaque fois que une session qui ouvre sur compte Facebook ou va recevoir un message. Ou bien deux possibilités, c'est soit choisi pour recevoir annonce qui dit que compte ou en ligne actuellement en utilisation, il fait ouvrir une session, c'est soit choisi pour jouer un message ça va ou par courrier électronique ou bien vous choisissez que vous voyez le barreau par message texte ou car vous recevez sur téléphone. Nous conseillons message sur téléphone là, parce que les plus rapides côté automatiquement on monte à accéder à compte ou avoir un message qui dit une session qui fait couvrir et automatiquement vous avez remarqué ça vous capable réagir rapide vite pour capable changer normalement mot de passe que vous pouvez utiliser et que peut-être vous avez accès à elle. Pour faire ça, vous seulement cliquer sur message texte et puis numéro de téléphone que vous avez enregistré déjà sur compte Facebook ou et bien numéro de téléphone ça à chaque fois que vous avez accès à compte Facebook ou soit ou même ou bien vous avez un message capture vous avez un monde qui a une session qui fait ouvrir sur compte Facebook ou vous cliquez sur message et puis vous cliquez enregistrer les modifications. OK, à partir de qu'on y a l'autre pour finir faire ça à chaque fois que on compte une session qui ouvre
sur compte Facebook ou à recevoir un message au téléphone cap annoncer que ou gagnon session qui ouvre et ou capable vérifier si c'est ou même qui ouvre ou bien si gagne l'autre monde qui gagne accès à